bonsoir. Merci d'être venus si nombreux pour nous rejoindre dans l'Underground, où il fait bien frais d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a une telle chaleur. Merci de l'avoir affronté pour arriver jusqu'ici. Je rappelle que la soirée est diffusée en direct sur le site de l'internaute. Et je vais donner tout de suite la parole à Michel-Édouard Leclerc, qui est à l'origine de ces soirées trimestrielles, qui existent depuis 2 ans, et aussi du festival Culturissimo, qui était d'abord un festival uniquement de lecture, mais maintenant il y a aussi des concerts. Ça dure 1 mois, c'est gratuit, ça a lieu dans 60 petites villes de France et ça se termine demain. Michel-Édouard. Bonsoir à tous. Oui, c'est vrai. Les éclaireurs, on peut se poser la question du pourquoi. Alors, ceux qui posent la question du pourquoi, c'est aussi ceux qui ne nous ont pas vus arriver dans la culture, parce que entre l'image du petit pois et celle de la culture, il y en a encore qui sont à l'antithèse. En fait, ça fait pas mal de temps maintenant que notre enseigne développe les espaces culturels. Les libraires et les disquaires sont chez nous rois. Les sélections sont nationales, mais elles sont très largement locales. Il y a beaucoup de compétences, d'expertise. On croit plus aux libraires et aux disquaires qu'aux algorithmes. Et en fait, on s'est souvent posé la question du rôle qu'on pouvait jouer quand on est distributeur, si on ne veut pas rester que distributeur et si on veut participer tant de la vie locale que du débat culturel. Donc on est mécène, on est sponsor de grands festivals. Et puis chacun d'entre nous, on vit la chose en étant, en allant dans ces festivals. Moi, je suis un enfant... non pas de Woodstock, mais de l'après-Woodstock, mais je suis surtout un enfant des vieilles charrues. C'est dans ma région, en Bretagne, on va en parler, il y a des festivals dans toutes les villes, y compris dans ma ville à Landerneau, le festival du bruit dans Landerneau, qui attire quand même 60 000 jeunes dans une ville de 18 000 habitants de soir. Et puis les vieilles charrues, c'est incroyable. La prairie de Carhaix, c'était, et puis je peux vous dire, même en botte et avec un ciré cotaine, 400 000 jeunes sur 4, maintenant ils essayent de faire 6 jours. C'est une révolution mentale, mais on s'y sent bien. Et partout dans nos villes, pendant l'été, il y a des festivals. Moins en hiver, je reconnais. Et donc, on est sponsor, on est mécène. Il y a la FNAC, il y a Cultura, il y a des gros libraires, il y a les MOLA, etc. Tout le monde est derrière ces festivals, plus dans le livre d'ailleurs que dans la musique. Dans la musique, on trouve les majors, mais on trouve aussi des indépendants, on trouve la vie locale, la vie associative. C'est vrai qu'on est dans ce bain. Et la question posée ce soir par les éclairs nous touche à la fois, ne serait-ce que comme opérateur économique, comme agent économique. Est-ce qu'on y investit? Qu'est-ce qu'on fait avec les promoteurs de festivals? On s'est tous plus ou moins rencontrés dans la vie. Et puis, ça nous intéresse de savoir si c'est au fond un nouveau mode d'expression qui, parallèlement à l'évolution du digital, aux formules d'abonnement, aux formules du cloud, font vivre et donnent chair, et quelle chair, à la culture et, en l'occurrence, aujourd'hui, à la musique. Pour animer ce débat, Frédéric Taddeï, iconoclaste, mais aussi amoureux de la chose. Et donc, je te rends la parole pour que tu nous dises qui tu as invité ce soir. Alors, la question d'abord, festival, la concurrence est-elle trop dure? Je rappelle la règle des éclaireurs, pas de langue de bois, pas de bullshit. On est entre nous, on peut dire la vérité. En général, de toute façon, dès qu'il y en a un qui commence à dire la vérité, les autres suivent. Donc je compte sur vous. Je vous présente... À ma gauche, Gérard Pont, le président des Francopholistes de La Rochelle, que vous avez racheté en 2005, du Printemps de Bourges, racheté en 2013. Et vous avez été l'un des créateurs d'Elixir, qui a été le premier grand festival français. C'était en Bretagne, déjà. Et ça a duré de 1979 à 86. Aujourd'hui, la concurrence est dure. Gérard, réponse rapide. Je me fais ma concurrence moi-même. À côté, Marie Sabot, la directrice du festival We Love Green, qui est née en 2011, qui a reçu le Greener Festival Award. C'est un festival, un jeune festival éco-responsable, d'où le plastique a été complètement évacué. Vous venez de rassembler, puisque c'était il y a quelques semaines, vous venez de rassembler 80 000 personnes. Vous avez attiré 40 médias internationaux. La concurrence est dure? Elle n'est pas simple, oui. On va voir ça. Jean-Pierre Roland. Jean-Paul, pourquoi je t'appelle Jean-Pierre à chaque fois?
directeur des Eurockéennes de Belfort, coprésident de l'association De Concert, qui fédère 31 festivals majeurs internationaux, et créateur du festival Générique, qui a lieu en février. Ça nous change un peu dans l'Est de la France, parce que la plupart des festivals, c'est pendant l'été. La concurrence est dure ? Dure, mais la pente est douce. C'est-à-dire que nous, on a de plus en plus de monde, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, curieusement. Angelo Goppi, directeur général de Live Nation France, le leader mondial de la production de concerts, de management d'artistes et d'organisation de festivals. Vous organisez notamment le Lollapalooza à Paris, le Main Square Festival à Arras, le North Summer Festival à Lille. Et je précise que vous avez commencé dans le rap en 87 avec IZB. C'était la première association qui organisait des concerts de rap en France. Est-ce que la concurrence est devenue dure ? Vous avez tout dit, hein, j'ai commencé dans le rap, donc ça n'a jamais été facile. Je pense que rien n'est facile dans la vie, parce que maintenant le rap... est chez Def Jam, voilà, en plus, c'était pas facile. Non. Maintenant le rap est dominant. Je pense que c'est plus une question de dialogue, de communication et de vérité, plus que de se dire que la concurrence est dure. Emmanuel Négrier, politologue, vous avez participé à la rédaction du livre Le public des festivals qui était sorti en 2010 et vous êtes l'auteur de Festival de musique, un monde en mutation en 2013. Les deux sont parus chez Michel de Maulle. La concurrence ? Sur tous les festivals, sur les milliers de festivals, on ne peut pas dire qu'elle soit dure partout de la même manière. Elle commence à être assez dure au sommet, oui. Olivier Donat, vous avez été chercheur au DEPS du ministère de la Culture. Vous avez piloté les trois dernières enquêtes sur les pratiques culturelles des Français. Et vous êtes l'auteur du livre « Les Français face à la culture ». On serait passé, d'après vous, de l'exclusion à l'éclectisme. C'était paru en 1994. Et vous êtes l'auteur aussi des « Publics de la culture » qui était sorti en 2003. La concurrence ? C'est l'avantage de la position de l'observateur. C'est qu'on la voit de loin, mais on ne la subit pas. Donc... mais la concurrence, on nous a appris que c'était un gage de qualité en général. Donc il y a ce problème de la concurrence, mais je ne la vis pas personnellement. On va voir si c'est un gage de qualité. Alors je rappelle qu'il y a 50 ans avait lieu en août 1969 le festival de Woodstock qui allait marquer l'histoire de la musique pop. 500 000 personnes sur un terrain de 243 hectares, loué à l'époque 50 000 $. 500 000 personnes sous la pluie, dans la boue, avec 32 groupes... en concert, dont Jimi Hendrix, Santana, The Who, Joe Cocker. Les Beatles et Led Zeppelin avaient refusé. Je pense que ce n'était pas assez payé. Finalement, les embouteillages étaient terribles. Ce sont des hélicos de l'armée qui apportaient de l'eau et des médicaments au public. La zone a été déclarée sinistrée par le gouverneur de l'État. Donc ça, c'était vraiment les débuts. 50 ans plus tard, Woodstock a fait école. Depuis le début du 21e siècle, le nombre de festivals de musique s'est multiplié en France et dans toute l'Europe. Il y en a 550 en France entre le 1er avril et le 30 septembre. En été, pendant juillet et août, alors là, c'est la grosse, grosse, grosse concentration. Dans certaines régions comme la Bretagne, c'est la super grosse concentration. Je crois qu'il y a à peu près un festival par jour pendant tout l'été en France. Pourquoi est-ce qu'il y en a tant ? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce phénomène ? Pourquoi, depuis le début du 21e siècle, il y a tant de festivals ? Moi, je ne suis pas spécialiste des festivals, mais je suis généraliste, donc je vais avoir un propos un peu plus général. C'est quand même une tendance qu'on retrouve dans tous les marchés culturels. C'est-à-dire, dans le monde de l'édition, il y a de plus en plus de livres qui sont publiés. À la rentrée littéraire, tout le monde dénonce l'embouteillage en fait, chez les libraires, etc. Dans le domaine du spectacle vivant, le théâtre à Paris, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que probablement il y a trop de spectacles. Les one-man shows se font une concurrence aussi terrible. À peu près tous les domaines culturels, il n'y a pas un domaine culturel dans lequel il n'y a pas une augmentation spectaculaire de l'offre. Oui, c'est l'économie de l'offre, en fait. Plus il y a d'offres, plus il y a une chance que ça marche. Voilà. Et donc, il y a quand même le phénomène le plus important, c'est que depuis 30 ou 40 ans, il y a 10 fois plus d'artistes professionnels et probablement encore plus qu'un décuplement du côté des aspirants professionnels et du côté des amateurs. Donc, en fait, ce foisonnement culturel qu'on observe, alors dans le domaine musical, probablement plus qu'ailleurs, mais aussi dans les autres domaines, eh ben, ça se traduit notamment par une explosion du nombre de festivals. C'était l'avis d'Olivier Donat, Angelo ? J'ai aussi une autre vision que Gérard pourra partager avec moi, c'est qu'on a eu, de la part des municipalités, pendant très longtemps, l'envie d'avoir sa salle de spectacle. Et donc, toutes les salles ont voulu avoir leur zénith, qu'il soit productif ou pas, plein ou pas plein. Donc, il y a beaucoup de zéniths qui ont été construits
dans les régions de France. Il y a aussi cette lisibilité qu'on peut dire aujourd'hui. Il y a des régions comme les Vieilles Charrues, comme Belfort, qui sont portées par des festivals. Et je vois aujourd'hui, il y a aussi pas mal de régions de mairies qui veulent aussi avoir leur propre festival. Parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte que la musique est quelque chose qui est très porteur, qui rassemble et qui peut aujourd'hui être vecteur d'économie ou de social. Donc je pense qu'il y a aussi cette partie. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui ce qui s'est passé avec Tomorrowland sur la station de ski. Ils ont été chercher Tomorrowland, mais ils sont partis d'un constat qu'ils avaient une station qui est en train de mourir. Puis il y a de moins en moins de neige, surtout. Voilà. Moins de neige et de moins en moins de personnes qui venaient. Et ils ont essayé de savoir comment ils allaient dynamiser. C'est la même chose à Tignes, c'est la même chose. Voilà. Donc il y a des questions qu'aujourd'hui les régions et les politiques se posent. Et la réponse qui se paye, ouais, c'est un lapsus qui était révélateur. Et c'est le même principe. C'est qu'on voit aujourd'hui, par exemple, que Val-de-Roc, qui est un festival qui a lieu en région parisienne, c'est une ville aujourd'hui qui est ultra riche parce qu'elle a les deniers de la taxe professionnelle de Disney. Elle a fait un conseil il y a 2 ans de Christophe Maé. Il y a eu beaucoup de monde. Elle s'est dit, on va créer aussi un événement qui peut être un festival parce qu'on va continuer à attirer les gens. Sauf que je pense que à court terme, ça peut être marcher, mais sur le long terme, c'est très difficile parce que c'est un vrai métier avec une vraie vision et que tout le monde, c'est pas une question de concurrence, mais c'est une question de professionnalisation et de vision par rapport à un marché. Et il faut dire que ça se multiplie aussi dans toute l'Europe. C'est pas un phénomène que français. Marie, une réponse? Dans toute l'Europe, on voit quand même des festivals aussi très différents émerger, des festivals plus de niche. Évidemment, la musique électronique est passée par là, a amené aussi, on va dire, une grande bouffée de rafraîchissement pour d'abord changer la pratique de l'événement, mais aussi a rafraîchi les line-up, puisqu'ils sont partis de tout le mouvement rave et ils ont maintenant investi souvent la grande scène des grands festivals de spectacle et de rock, où ils ont souvent pris la place des headliners. Mais aussi beaucoup de petits festivals avec la musique à une part, mais une certaine identité, un certain hédonisme, une envie de niche. Donc il y a beaucoup de festivals, par exemple la terre des festivals majeurs est quand même l'Angleterre. On y trouve des grands festivals pop, mais aussi des très grands festivals où la musique, les headliners et autres ne sont pas forcément la tête d'affiche la plus importante. Et on a d'autres, des festivals d'art de vivre, en fait. Jean. La festivalisation, je trouve, enfin en tout cas, qu'on peut noter maintenant, elle est due aussi à une stratégie. Je veux dire, quelle est la scène nationale qui n'a pas un festival, par exemple? Enfin, franchement, il faudrait chercher. Donc, il y a aussi un problème. Enfin, pour moi, c'est pas un problème, mais on se rend bien compte que les cultureux, comme on les appelle, il y a un moment donné, ils ont quand même envie un petit peu de sortir la tête du trou, quoi. En tout cas, de se montrer. Le festival, ça attire les journalistes, ça attire les sponsors, ça met un focus à un moment donné sur un travail qu'on fait à l'année. Donc, c'est aussi pour ça, effectivement, que si on peut nous, on fait que des festivals, hein, c'est notre boulot. Les autres, ils font pas que ça, mais donc c'est vrai qu'on les regarde un petit peu bizarrement. Là où on va les regarder un petit peu bizarrement, c'est de dire, est-ce qu'il y a un projet artistique ou c'est juste une stratégie pour dire, je fais un festival et donc on me voit à un moment. Donc, et puis il y a aussi le fait que c'est plutôt cool de faire un festival. Enfin, je veux dire, je fais un festival, super, tout le monde. Enfin, ça attire tout le monde, les festivals, les politiques, ils rêvent de ça. Ils ont envie de monter sur scène, ils n'ont jamais vu autant de foule devant eux. Bon, bref. Ça a bien changé depuis Woodstock, hein, ça. Ah, bah oui, oui. Non. C'était pas du tout. Oui, non, mais je vois par exemple aux Eurokéennes, c'est vrai que ça a vraiment changé. Avant, les patrons. Moi, quand je suis arrivé, le premier que j'ai été voir, c'est un patron de banque. Il m'a tout de suite dit, sortez du bureau, quoi. Donc, voilà. Sauf que maintenant, toutes les banques veulent être partenaires des Eurokéennes. Ouais. Il y a aussi des générations, bien entendu, d'entrepreneurs qui ont changé. Enfin, concrètement, ça attire parce que c'est cool. Ouais, c'est cool, mais c'est peut-être aussi que le public a changé. À Woodstock, c'était des hippies, des contestataires. Ils ne voulaient pas payer alors que la place était qu'à 6 dollars. À la fin, on a été obligé de baisser les barrières et de les laisser rentrer parce que ce n'était pas la peine. Donc ça aussi, ça a peut-être changé. Gérard, non pas que tu étais à Woodstock, mais tu as fait le premier grand festival français. Deux choses, moi je trouve que... Je dis souvent que l'émotion n'est pas numérisable. Et c'est vrai que tout le monde est sur son téléphone portable et ça l'intéresse et que ça permet d'être au courant, de savoir que son copain, sa copine ou des gens de la même sphère vont être à tel endroit. Donc on a envie de vivre ensemble des choses. C'est pas la même chose d'aller voir un concert dans une salle et de vivre ensemble un festival. Donc ça, je pense qu'il y a un rapport, à mon avis, entre Instagram et le succès des festivals. Enfin, il y a un côté colloque aussi. En tout cas, on est tout seul dans son téléphone et on va être ensemble avec tous ces gens qui partagent les mêmes choses. Après, oui, ça a changé. Moi, je me souviens quand j'ai fait ce premier festival à Irvillac,
pas très loin de chez Michel-Édouard, le maire voulait un camping pour garçons, et un camping pour filles. Donc, et il a fait une édition, après il dit, donc ça va, il n'y a pas eu de mort. Donc il y a eu 9 éditions dans 9 villes différentes. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, tous, je pense ici, on est sollicité par des villes ou par des organismes pour faire des festivals. Parce qu'effectivement, c'est comme tu disais, les villes, les régions sont mises en avant, sont mises en lumière, et que le public répond. Emmanuel Négrier, l'auteur du livre « Les festivals de musique, un monde en mutation ». Alors, votre explication à vous, pourquoi cette multiplication ? Ben, vous expliquez tous que ça marche parce qu'il y a une offre, mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui trouvent ça cool aussi, pas simplement les organisateurs. Et la pratique d'un festival, c'est une pratique, d'abord une pratique sociale, une pratique heureuse. Et si on regarde les rassemblements quelquefois colossaux que représentent des festivals, on observera en même temps que dans cette vie sociale, il n'y a quasiment pas de violence, il y a beaucoup de tolérance paradoxale. Les enquêtes qu'on a pu faire auprès de jeunes militaires au tempérament plutôt violent, disant qu'avec les punks à chiens et les babacools, finalement, ça se passait autour d'une bière et que c'était beaucoup plus pacifique que dehors. Donc il y a vraiment une sorte d'atmosphère particulière, ultra positive, qui explique que ça marche, que ça se maintient. Il y a peu de festivals qui perdent leur public. J'en connais, qui ont perdu leur public du jour au lendemain. Mais vous nous raconterez dans quelles circonstances ? Oui, un changement de date. Ah oui, rien que ça. Forcément, il y a un autre festival peut-être dans la rue d'à côté le lendemain. Exactement. C'est peut-être ça. Voilà. Mais je pense qu'il faut insister aussi sur cette pratique-là, le fait qu'on est à la fois dans la confirmation, Olivier Donat en a longtemps parlé et a longtemps écrit là-dessus, que la pratique de la culture, c'est une pratique sociale. Donc on vient à un festival pour une affiche, c'est vrai, ça c'est la première chose. La première fois, on vient pour une affiche, l'artiste qu'on connaît, paf, on en découvre plein, on vient pas tout seul. La deuxième fois qu'on vient, on vient pour le festival, parce qu'on sait qu'il y a des découvertes, parce qu'on est plus en confiance. À la limite, la dixième fois, on peut venir tout seul, parce qu'on sait que dès qu'on aura franchi la barrière d'entrée, on ne sera plus tout seul. Et est-ce que le public a changé ? Je parlais des hippies, jeunes, contestataires de Woodstock il y a 50 ans. Vous avez plusieurs fois tous employé le mot des jeunes. Mais est-ce qu'ils sont si jeunes que ça, encore aujourd'hui, dans les festivals ? Est-ce que ça n'est pas... ça n'a pas vieilli un peu, Jean-Paul ? Est-ce que ce n'est pas plus des familles aujourd'hui ? Bah, c'est peut-être famille, mais en tout cas, si je dis famille, je dis quand même enfant aussi, quoi. Enfin, nous, on voit que depuis le collège, ça frappe assez précocement à la porte des festivals. Mais c'est aussi parce que c'est peut-être un nouveau rite initiatique maintenant, de savoir est-ce que j'ai l'âge d'aller au Vieille Charrue, et puis après, est-ce que j'ai l'âge d'aller tout seul au Vieille Charrue, puis après, est-ce que j'ai l'âge d'aller au camping des Vieilles Charrues. Donc tout ça, à mon avis, ça participe, enfin, en tout cas, la sociabilité dont tu parles, à mon avis. Mais le public jeune, il a amené, j'allais dire, bien entendu, une nouvelle fraîcheur aussi. Des nouvelles façons d'organiser, bien entendu. Des nouvelles drogues. Voilà, peut-être aussi. Non, mais bah, tous les gosses ne se droguent pas non plus. Hein, je veux dire, bon, enfin, la mienne ne se drogue pas. Voilà, je veux dire. ce que je veux dire aussi, c'est que l'appréhension, en tout cas, de la jeunesse, elle a changé aussi le mode d'organisation. Et je pense qu'avant, là où il y avait des foules indistinctes, c'est-à-dire qu'il y avait une foule, maintenant, il y a des publics. Il y a des générations et donc aussi des façons de voir, des façons de proposer, que ce soit de la nourriture, des jeux, de je sais pas quoi, des groupes, des scènes, des garderies. Il y a des garderies aussi, etc. Donc ça a modifié finalement ce qu'on parle plus là d'expérience, donc tout ce qui se passe au dehors des scènes finalement. Angelo, le public. Je pense que ça dépend aussi de la programmation. Aujourd'hui, on est effectivement sur des choses qui vont être beaucoup plus sur les jeunes. Mais quand on fait des artistes beaucoup plus vieux, nous, on a fait Sting, on a fait Radiohead, on a fait Pearl Jam. Et quand on a fait ces artistes-là, c'est un public plus vieux qui est venu. La première édition de Lollapalooza, les gens étaient beaucoup plus âgés que la seconde, et même que celle-ci, parce que la première année, on a vu Red Hot Chili Peppers, on a eu Del Rey, l'année dernière, on a eu Depeche Mode, et on voit que cette année, on est sur des artistes qui sont beaucoup plus jeunes, donc on est sur de 18-24, alors que là, on est sur de 18-35, voire 40. Et je pense que Marie pourra le dire, entre Björk l'année dernière et cette année, c'est vraiment, ça dépend aussi des têtes d'affiche qu'on a et des artistes qui viennent. C'est pas forcément parce qu'on est plus jeune qu'on va pas à un festival. Je pense que ça vient aussi par rapport à un goût artistique. Marie,
Sur Willow Green. La programmation de festival, on met presque un an à la faire. Hein. Donc c'est un très long travail. On essaye tous de raconter des histoires et on essaye de se poser 1000 questions chaque semaine quand on se voit, en se disant tiens, quel parcours on va raconter, quelle histoire on va raconter pour chaque festivalier en fait. Est-ce qu'il va aller voir ça? Puis après du coup, quel groupe il va aller voir? Il va pouvoir aller là-bas, puis il va pouvoir aller là-bas. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop stage clash pour que justement ce festivalier puisse trouver son chemin. Et par exemple, est-ce que celui qui va aller voir Björk, qui va aller voir Moi à la Squale, est-ce que son fils pourra aller voir Moi à la Squale au même moment? Donc on essaie de s'imaginer ces histoires qu'il va y avoir entre ces festivaliers. On rêve aussi, parce que je pense qu'on est tous des très très gros passionnés de musique, enfin, c'est malgré les collaborations complexes qu'on peut avoir dans ce milieu musical, je pense qu'il y a quand même un univers de passionnés, parce que c'est un milieu compliqué financièrement, de travail, de temps passé. On investit beaucoup d'énergie dans ce métier. Donc on est à l'écoute de ce, parce qu'on n'empile pas hein, des groupes hein, parce que ça ne marche pas, hein, c'est souvent si on ne fait pas le mauvais parcours, de toute façon les festivals nous le disent tout de suite que l'histoire n'est pas cohérente, ou quand on envoie la prog ou quand on envoie la grille de programmation. Et ensuite on imagine aussi je dirais les découvertes qu'un festivalier va pouvoir faire parce qu'il est venu pour tel artiste, et on dit bon, mon rêve c'est que en fait là il y a un trou entre ces deux fans, et là du coup bah, il va être un peu perdu, donc il a une heure et demie de libre, et bah, peut-être qu'il va tomber sur ce groupe là peut-être que ça va être son nouveau truc, ou alors peut-être qu'il n'a rien à faire, il va juste tomber amoureux Michel Edouard. Oui, là on est dans des festivals jeunes, musique moderne, post-moderne, etc. Mais en fait, le phénomène du festival touche toutes les catégories de passionnés. Si vous allez à l'Interceltic, vous avez une population très familiale. Si vous allez au Festival du Bout du Monde à Crozon, c'est vraiment intergénérationnel. Mais si vous aimez la musique classique, regardez le succès de la Folle Journée de Nantes avec René Martin. Le festival a dépoussiéré le concert classique, a créé le bien-être et le plaisir de vivre ensemble de la musique et probablement de l'incarner à l'heure du digital. Tu vois, vous allez me dire par rapport à ici, c'est plus élitiste, mais les festivals de la Roque d'Anthéron, les festivals d'Évian vous montrent que toute catégorie musicale a ses moments, a ses lieux de démonstration, de musique live, du vivre ensemble. Et au fond, ça allie à la fois la quête de la découverte au-delà de l'itération sur l'iCloud ou sur Deezer ou autre. Et puis, ça, c'est le côté vivre ensemble. Il y a très peu de lieux de sociabilité dans notre société. Et donc, ce sont des moments très forts de la vie sociale. Très très fort et très libéré de codification sociale, justement. Olivier Dena, en tant que spécialiste des pratiques culturelles des Français, alors est-ce que le public a changé définitivement ? Pour rebondir à ce qui vient d'être dit, c'est très vrai, c'est-à-dire ce qu'on oublie toujours, parce que comme vous le disiez, en général, sont des, du côté de l'offre, sont toujours des passionnés, donc on raisonne toujours, on met en avant les questions de programmation, mais on oublie toujours que toutes les pratiques culturelles, en fait, sont enchâssées dans des relations sociales. C'est-à-dire, il y a très peu de gens, il n'y a que des cinéphiles qui vont au cinéma seuls ou qui vont même dans les salles de concert seuls. C'est moins d'une personne sur 10. Donc, il faut vraiment être très, très investi personnellement. Mais en général, c'est toujours ou en couple ou avec un groupe de copains ou avec des groupes organisés pour aller à la Comédie Française et organisés pour aller à un festival. C'est un autre réseau de copains. Donc, c'est toujours enchâssé dans des relations de sociabilité, en fait. Et les festivals, c'est ça, je pense que ça apporte beaucoup plus que d'autres pratiques culturelles, c'est que c'est un espace-temps particulier, en fait. C'est-à-dire, c'est pas seulement une soirée qui s'inscrit dans la routine du quotidien, etc. Mais voilà, on sait qu'à telle période de l'année, bah, pendant 2 jours, il y a le festival, et ça scande, en fait, le temps. Et parce qu'on est dans une société dans laquelle il y a très peu de... Enfin, où le temps social coule comme ça, mais il n'y a plus de fêtes religieuses comme avant. Les fêtes républicaines sont en général pas très bonne forme non plus. Donc, en fait, c'est un peu les festivals, en fait, qui jouent ce rôle-là. Enfin, moi, j'avais travaillé sur la fête de la musique, par exemple, le succès immédiat de la fête de la musique, parce que en 82, quand la fête de la musique a été créée, c'était un hasard total. Ça s'est fait dans l'improvisation
organisation la plus totale. Les gens du cabinet disaient, bon, on pensait que la préfecture ne voulait pas donner, deux jours avant, ne voulait pas donner l'autorisation. On pensait vraiment que ça allait être un four, etc. Et donc, ça a été un succès d'emblée, quoi, et assez imposé tout de suite. Bah, pourquoi ? Parce que nos sociétés manquent probablement de ces repères spatio-temporels, en fait, et les festivals. D'ailleurs, les festivals, on les appelle les grands-messes. Emmanuel, faut relativiser quand même ça, puisque sinon les sociétés seraient parfaites. Hein. Les rapports, je veux dire, ils sont faciles dans un festival parce qu'ils durent pas longtemps. Hein. Concrètement, je peux rencontrer une fille, je peux rencontrer un garçon, je peux aller vers elle, je peux aller vers lui parce que je sais que à la limite, peut-être le lendemain, je la reverrai pas. C'est un espace-temps, c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est un espace-temps à part, en dehors de la vie. C'est une bulle. C'est une petite bulle. Ouais. Voilà. Il y a d'ailleurs des bébés festivals, hein, des bébés qui ont été conçus dans des festivals. On en connaît. Il y a quand même des changements. Par rapport à l'image que vous donniez de Woodstock, du combi Volkswagen avec lequel on parcourt des milliers de kilomètres. Premièrement, le nombre croissant de festivals a entraîné une régionalisation du public. On a de moins en moins de raisons de traverser la France. On va encore quelques fois dans des festivals très particuliers, le Sziget par exemple à Budapest, ou le World Wild à 7, 80% de public anglais. Le Hellfest, c'est le Hellfest. À Nantes, enfin à côté de Nantes, à Clisson. Oui, à Clisson, à 35 km de Nantes. Là, effectivement, il y a une proportion de public qui vient de loin. Mais ça, ce sont des exceptions par rapport à la règle qui est la régionalisation du public. Et ça, c'est un phénomène qui est tout à fait intéressant. Deuxième, qui a plein de conséquences. Deuxième changement, c'est le changement en soi. C'est-à-dire que quand on a travaillé sur les Eurokéennes, quand on a travaillé sur des festivals de musique classique qui avait 50 ans d'âge, etc. On se disait, bon, ben, on va tomber sur la vieille loi sociologique du toujours pareil, toujours les mêmes. En fait, on a découvert qu'il y avait 30% de renouvellement du public aux Eurokéennes, 40% en 2017 quand on a refait une troisième enquête. 40% pour un festival qui a 30 ans, c'est tout à fait considérable. Donc ça veut dire que c'est un phénomène structurel. Si on regarde le taux de renouvellement des abonnés dans des lieux culturels, quels qu'ils soient, le pourcentage est beaucoup plus faible. Autrement dit, il y a une logique même intrinsèquement de renouvellement des publics qui dépend de la programmation, c'est vrai, mais qui dépend aussi de la mythologie qu'essaye d'entretenir chacun de ces lieux pour rester unique. Et je suis assez d'accord avec Angelo Gopé, ce ne sera pas forcément toujours le cas, mais sur cette idée que décréter comme ça, ex abrupto, qu'avec une boîte de prod et des grosses têtes d'affiche, on crée d'un seul coup une effusion qui va marquer les esprits et qui va attirer tout le monde dans la communauté de communes en question, je trouve que c'est d'une part dommage, risqué, et ça a des conséquences, comme le disait Martine Robert dans un article dans Les Échos. Ça a des conséquences aussi sur ce qui reste pour les autres acteurs culturels sur ce territoire. Quand on met 600 000 euros sur un festival, qu'est-ce qui reste dans le budget culturel pour aider tous les autres acteurs sur ce territoire ? Et je pense qu'on parlait des publics, on parlait des festivals. Je trouve que c'est trop réducteur aujourd'hui. Parce qu'on parlait tout à l'heure de 500 festivals, mais je pense qu'il n'y en a pas 500. Je pense qu'en France, il y a 1800 festivals. Si on doit prendre... Festivals de musique, oui, mais... du 1er avril au 30 septembre. Ouais, mais moi, je pense qu'on parle de festivals, il faut parler de tout le reste, parce qu'un festival, c'est aussi interceltique, c'est des moments qu'on va passer ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, on a trop... On met trop l'emphase sur 10 festivals en France en disant que c'est complètement réducteur et c'est un manque de respect par rapport aux autres. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle effectivement, et on le voit tous les ans, des gens qui viennent ou qui ne reviennent pas sur les festivals, qui viennent par rapport à une tête d'affiche, qui viennent par rapport à aussi une période de leur vie où effectivement, entre 15 et 17 ans, on veut peut-être aller faire son premier festival où ce sera peut-être l'unique festival. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, qu'en moyenne par an, les gens, après c'est pas le cas de tout le monde, mais la moyenne des gens qui vont au concert par an, elle est de un concert et demi par an. Un concert et demi par an. Ça inclut peut-être aussi un festival. Donc je pense que la réflexion, elle doit aller au-delà de qui fait quoi, quels sont les gros, quels sont les petits. Je pense que dans les festivals qui sont dans les régions, il y a des gens qui reviennent tous les ans parce que pour eux, c'est un acte militant par rapport à la région. Nous, on a vu sur le Main Square au départ, on est arrivé, on nous a dit, ben non, faites une programmation. On s'est dit, non, c'est une région précise, c'est dans les Hauts-de-France, dans le Bas-de-Calais. Maintenant, on a 90% des gens qui viennent de la région. Alors qu'au départ, ce n'était pas le cas. Donc je pense que la régionalisation, elle passe au travers de ça. Je pense que chaque festival doit créer sa propre identité, qu'elle soit une identité régionale, qu'elle soit une identité musique, et pas essayer de copier les autres. Malheureusement, aujourd'hui, comme l'a dit Jean-Paul, on commence à arriver sur des surenchères parce qu'il y a des maires, des gens de région qui ont donné de l'argent à des festivals
pour avoir des têtes d'affiche. Et maintenant, elles ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas de tête d'affiche et les autres l'ont. Et là, on commence à rentrer dans un cercle vicieux de surenchère. Et là, après, on va arriver sur le débat tête d'affiche ou pas. Et on va arriver sur le débat de la concurrence qui semble de plus en plus dur. Et pour cause, on a l'impression que tous les festivals ont lieu en même temps, parfois au même endroit, comme en Bretagne, hein, on le disait. En même temps, c'est pendant l'été, là juillet, août, c'est là où il y a la plus grosse concentration. Parfois avec les mêmes artistes, puis il y a ce qui est comment il s'appelle, les squatteurs de festivals maintenant étudient la programmation de tous les festivals de musique et notent les artistes qu'on retrouve partout. Et alors, cette année, par exemple, c'est Jeanne Adède. Plus de 30 festivals, Jeanne Adède. Elle était l'an dernier au Francophonie. Elle était l'an dernier au Francophonie. Ouais. Un petit peu d'avance. Suzanne, 32 festivals cet été. Enfin, pas que l'été, je suis méchant. C'est pendant du 1er avril au 30 septembre. On va voir Suzanne dans 32 festivals. Oui, mais alors ça, moi, je trouve que c'est un débat qui est un débat de journalistes parisiens. Les squatteurs de festivals, ce n'est pas des journalistes, mais je te pose la question. Non, alors, on va dire aux gens des Francophonies, ah, non, bah, cette année, on ne va pas avoir tel artiste parce qu'il passe aux Vieilles Charrues. Enfin, franchement, les gens de La Rochelle ou les gens de Belfort ont le droit de voir des gens qui... Ah oui, mais non, parce qu'on ne va pas le faire, ils passent aux Vieilles Charrues. Le public des festivals, il a envie de voir des artistes qui ont fait l'actualité de l'année. Ou qui... c'est ce que disait, c'est que c'est la régionalisation du public qui fait ça, en fait. Oui. À l'époque où les gens voyageaient pour aller... On a l'air de critiquer les festivals parce qu'ils programment des têtes d'affiche. D'abord, un, le public de La Rochelle a le droit de voir des gens qui passent à Carhaix ou aux Eurocaines. En plus, alors, le monde du business a aussi changé. C'est-à-dire qu'avant, vous demandiez à un artiste s'il venait faire un gala. Aujourd'hui, il est tourné. C'est-à-dire que l'artiste, c'est l'année où il fait son disque, il fait sa promo, il fait sa tournée, il est en jachet, etc. Donc, si vous voulez demander à un artiste, vous voulez, je sais pas, tel artiste, il est pas en tournée, on vous dit, bah non, il viendra pas parce qu'il n'est pas en tournée. Donc, le système a aussi changé. Et en plus, les tournées sont basées sur l'été. Quand je faisais souvent ces festivals, il y a 40 ans, il n'y avait pas d'artistes l'été parce qu'il n'y a pas de... Aujourd'hui, c'est vraiment le gros business des artistes, c'est l'été. Donc, effectivement, il y a... Et ensuite, par contre, un festival peut se différencier avec tout ce qu'il va mettre autour de têtes d'affiche. Et ce qu'on va évidemment regarder tout de suite, d'abord, le fait que cette concurrence... quelles conséquences ça a sur la programmation elle-même, puisque vous le dites toutes, la programmation, c'est le premier truc où il faut qu'on montre sa singularité. Alors, effectivement, on comprend qu'il y ait Jeanne Adède au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, parce que c'est pas le même public, donc pourquoi pas. Mais quelles conséquences sur la programmation, Jean-Paul Roland? La concurrence, moi je dis souvent que si par exemple les Eurocaines n'avaient pas lieu, je ne pense pas qu'il y aurait 135 000 personnes de plus aux Vieilles Charrues. Hein, donc effectivement, on rejoint sur la régionalisation. La concurrence pour nous, elle n'est pas tellement vers le public, elle est plutôt sur les artistes eux-mêmes, effectivement. Sur l'affiche. Voilà, sur l'affiche. Mais j'allais dire, il faut voir qu'elle est au-delà de notre chère frontière. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir si quand un groupe décide de venir, en fait, il va décider de savoir déjà dans quel continent il va jouer, à quelle période. Donc on est vraiment là dans des grands mouvements. J'ai envie de dire... Comment font les gens, on fait tous des offres. Il faudrait savoir peut-être comment ça se fait mécaniquement, en fait. Hein. Mécaniquement, en septembre, tous les festivals qui sont autour de la table, ils envoient un mail à un agent en mettant un prix, en disant j'aimerais bien qu'ils viennent. Voilà. Vous faites en juin. Pardon, vous faites en juin, voilà. Mais parce que oui, mais voilà. Non, mais c'est vrai. Enfin, on sait même plus quel mois de l'année on peut le faire. Enfin, on le fait tout le temps. Voilà, comme ça. On le fait tout le temps. Et bien entendu, moi, je dis souvent que c'est des enchères à la bougie. C'est-à-dire que des fois, on nous répond pas s'il faut augmenter ou pas augmenter, quoi. Donc, c'est vrai qu'on est quand même dans un système hyper capitaliste. De ça. La meilleure offre avec celui qui répondra le premier au meilleur moment. Mais autre question, Jean-Paul, les Eurocaines de Belfort pouvaient souffrir autrefois James Brown, Carlos Santana, David Bowie, les plus grands sont venus aux Eurocaines. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Bah oui, Booba est venu, Daft Punk est venu il y a quelques temps. Français. Est-ce que vous pouvez encore offrir les grandes stars, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, hein, mais les grandes stars d'aujourd'hui, elles ne sont pas devenues trop chères? Bien sûr qu'il y en a qui sont trop chers, mais en fait, nous, notre réputation, c'est d'être des petits malins. Voilà. C'est-à-dire d'essayer de choper le truc pas trop cher au bon moment. Voilà. C'est ça. Donc, on prend Lana Del Rey au moment où elle sort son premier album, on fait Booba au moment où tout le monde, personne veut le faire, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Mais si vous nous dites, si vous posez la question, est-ce que nous, à quel moment on s'arrête? Oui, au-delà de 500 000 euros, on s'arrête. Quoi.
Voilà. Alors après, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est pas le prix qui fait, qui amène le public, hein. Aussi, c'est ça aussi le problème. Hein, d'accord. Bien entendu. Angelo, je pense que ce que Jean-Paul il a entièrement raison, et c'est ce qui a fait la différence des Eurocannes. On parle de têtes d'affiche, mais à l'époque c'était des têtes d'affiche, mais on n'était pas dans l'environnement actuel dans lequel nous sommes. Il y a deux problématiques. Il y a une problématique franco-française. Donc on parle des artistes français qui trouvent ces festivals. Tout le monde les veut. Je parlais tout à l'heure de chaque maire qui veut son artiste. C'est pareil. Un artiste français, physiquement, il ne va pas faire 500 festivals entre juin et juillet. Il va être obligé de choisir. Donc, il y a déjà une partie qui est une partie historique. Je veux faire Bourges, je veux faire les Francovises. Ce n'est pas parce qu'il est là. Hein. C'est vrai. Il n'y a pas le choix. C'est un peu... C'est l'ego. C'est incontournable. Et après, dans le peu de temps qui reste, qu'est-ce qu'il va aller faire? Et donc, il y a un vrai choix. Les Anglo-Saxons, ce n'est pas que la France. Quand ils vont venir en Europe, c'est où est-ce qu'on va aller sur l'Europe et dans quel pays on va se rendre. Et c'est là où c'est difficile, parce que maintenant, la concurrence sur les pays hors de l'Europe, elle est gigantesque. Il y a deux parties pris. Il y a les gros festivals. Et les Émarie, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qui en ont marre d'aller sur les gros festivals. Donc, ils vont sur des boutiques festivals qui sont plus petits, qui festivals de vin, festivals de nourriture ou festivals d'autres choses. Mais en tout cas, la concurrence, elle est plus comme avant. Avant, quand les artistes venaient en Europe, il y avait 10 gros festivals européens, inclus les festivals français. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a 80, 100, et inclus aussi les Français. Donc, il y a un problème de temps, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Il y a un problème de moyens et d'argent. Donc, je pense que... Il y a quand même pas mal de pays qui ont aussi des lois différentes au niveau des sponsors alcool, des sponsors tabac. Il y a deux niveaux. Il y a un niveau 1 qui est sponsor. Alcool et tabac, c'est entre 2 millions et 2 500 000 de sponsors par festival. Donc on parle quand même de choses qui sont conséquentes. Ça, il y a beaucoup de festivals en Europe de l'Est qui sont nés. Europe de l'Est et l'Europe du Nord, ouais. Du Sud et du Nord. Et la deuxième chose, c'est les capacités. En France, on est tous à des capacités qui tournent aux alentours de 30, 40, 50 maximum. Il y a des pays d'Europe qui vont à 80, 80, 100 000 par soir. Donc on part d'une économie où si vous prenez... 3 soirs à 100 000, ce qui fait 300 000 personnes, un ticket moyen qui est à 100 euros, on a une économie qui n'est pas la même. Il faut savoir aujourd'hui que dans les économies, on le sait tous, il n'y a pas que le billet d'entrée. Le pays au monde, en Europe, qui consomme le plus de bière, c'est qui? La Tchécoslovaquie. Ce n'est pas la France. 38 bières sur un festival. Nous, on se bat pour qu'il y en ait 3. Donc le problème avec le pop-corn. On se frappe les gens. Toi, il arrive à combien? 2. On a le même problème avec le pop-corn 3. Dans les cinémas. Quand on va en Angleterre, les gars, ils achètent 6 pintes qui se mettent autour du cou. On regarde ça, on fait. Un rêve. Mon Dieu, faites que ça arrive. Ouais. Et donc, voilà, je pense que. Et nous, c'est la limonade, t'imagines. Et les huîtres. Donc voilà, je pense que. On se rend pas compte, on parle d'une économie de festival, on parle de concurrence, mais on n'est plus sur la même échelle. Avant, l'Europe était précurseur en festival. Ouais. Vous savez qu'en Europe, qu'il y a des festivals, les Anglo-Saxons, ils savaient qu'ils allaient venir en Europe et qu'un festival par an, c'était l'Europe. Maintenant, les États-Unis, il y a des festivals de partout. Ouais. Tout l'été, de partout, il y en a de plus en plus. Le Canada, c'est le cas. L'Amérique du Sud, avant, il y en avait plein, maintenant, il y en a un quart, maintenant, il y en a plein. L'Asie, commencer à avoir des festivals émergents, et l'Australie. Donc maintenant, il y a une vraie saison de festivals qui se met en place par rapport aux artistes. Et comme l'a dit Jean, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un artiste, à 80%, ses revenus sont dans le live, dans les concerts et dans le festival. Donc à un moment donné, ils ont des choix à faire. Et malheureusement, et souvent, les choix sont portés vers là où ils auront le plus de moyens et plus d'argent. Marie ? Mais effectivement, on parle du modèle économique du festival même. Donc les modèles économiques changent radicalement d'une région, d'un aspect capital, d'une grande ville et d'un pays. Donc effectivement, on a des problématiques très différentes en Europe, où on a des problématiques aussi, par exemple, de SACEM, où on a des sujets que nous connaissons bien. Nous, par exemple, une petite étude sur l'Europe, on voit que en Angleterre, il y a un taux SACEM d'environ 2-1%. Nous, actuellement, on est sur 8-8 sur toutes nos recettes. Là, on parle de 2-1 sur seulement le ticketing. En droit d'auteur pour les auteurs-compositeurs. Et effectivement, aussi peut-être une transparence assez opaque sur savoir si nos propres artistes que nous faisons jouer et sur lesquels nous serions ravis de payer directement les droits en fait dans l'offre, dans nos propres offres, vont être redonnés à l'artiste ensuite.
C'est pas sûr, oui, ça rentre la SACEM. Donc ce sujet SACEM n'est pas complètement harmonisé au niveau européen. Donc on n'a pas les mêmes armes, je dirais, en France sur ce sujet-là. Effectivement, les mêmes sujets de politique aussi, nationale, culturelle. Nous, par exemple, on est un jeune festival. On arrive à un tempo où les politiques culturelles sont un peu exsangues. Les subventions sont basses. Les grands festivals ont déjà tout pris. Donc il y a aussi des vaisseaux amiraux de grandes scènes nationales qu'on ne peut pas enlever, qui sont là, qui ont leur mission, qui ont des budgets à l'année très importants, des scènes aussi de musique, plus élitistes, qui ont des budgets à l'année qui sont signés, qui ne seront pas enlevés. Et des politiques culturelles qui ne changeront pas, en fait, parce qu'on voit que le budget est fermé en termes de montant. Et donc, tout nouveau festival, et je parle d'une autre, parce qu'on est une grande équipe à monter ça, de passionnés, mais je parle aussi des nouveaux, de ceux qui vont arriver, de même pas notre génération, des gens qui ont 20 ans, qui vont monter leur prochain festival, qui vont peut-être changer en termes de programmation, même en termes de construction culturelle. Est-ce que eux, il va leur rester encore des aides publiques? Là, la question se pose. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Est-ce qu'il va pas falloir avoir une réflexion? Je pense que c'est un discours que tient beaucoup Vincent Carry des Nuits Sonores pour expliquer, est-ce que dans le budget du ministère de la Culture, si on le regarde, combien va être fléché vers la musique actuelle? Combien concerne le public de musique actuelle? Combien concerne en fait, ce budget des politiques culturelles et vers quel public il s'adresse et qu'est-ce qu'il représente en termes de l'offre de politique culturelle. Donc, cette question, elle revient chaque année. Nous, on discute beaucoup. Les musiques actuelles, on s'est posé la question de vraiment quelle tutelle ils avaient en termes de ministère. On va poser la question à Emmanuel Négrier et à Olivier Deneuve. Votre avis là-dessus? Sur le rapport musique actuelle, musique savante, par exemple, comme on dit en France, d'ailleurs, ça plonge tous les étrangers, mes collègues étrangers, dans un désarroi total. Musique savante d'un côté, musique actuelle de l'autre. Tout ça parce qu'il y a le problème des musiques contemporaines au milieu qu'on ne sait pas. Voilà. C'est vrai qu'il y a un préjugé, je dirais, à l'égard des musiques actuelles et l'idée selon laquelle, finalement, la musique classique a quelque chose de plus édifiant culturellement dans une logique de démocratisation culturelle que les musiques dites actuelles. En fait, quand on fait une petite enquête sociologique dans un festival, on se rend compte très vite que c'est complètement ridicule. Très vite parce que l'investissement dans la connaissance de l'affiche, l'investissement critique dans la programmation, le rapport savant à la musique ou aux différents types de musique et le sentiment de jouer un festival sur la découverte qu'on va faire de gens qu'on ne connaissait pas, c'est peut-être encore plus développé dans la musique actuelle que dans la musique savante. Il y a effectivement ce problème que Marie indiquait, qui est celui tout simplement du maintien, du côté cargo d'un ministère, quel que soit le ministère d'ailleurs. Il y a effectivement un secteur, le secteur classique, les grands labels, les institutions qui prennent une place considérable et qu'il est très difficile de chasser. De réformer. On attend. De restructurer, en fait, se reposer la question si effectivement le budget est fermé, de savoir. Alors effectivement, il y a des outils qui commencent à être mis en place, de passe culture, de ce type. Comment on va pouvoir effectivement donner en termes d'accessibilité à la culture à une génération qui n'y a pas accès? On parle effectivement de faire un geste vers des régions, des secteurs qui n'ont pas accès à la culture. Et on se retourne vers le privé. On dit, tiens, vous n'auriez pas des places à nous donner pour accéder pour donner à ces jeunes qui écoutent du rap, qui écoutent de l'électro, qui écoutent de la pop, pour pouvoir les ramener à avoir leur premier concert, parce qu'effectivement, c'est un prix certain de venir dans un festival. C'est un budget qu'une grande majorité de la jeune génération n'a pas. Quelle est la part de subvention par rapport à,
au chiffre d'affaires d'un festival. C'est quoi le pourcentage, la variable, enfin, l'écart entre les petites subventions et les grosses subventions? Les Vieilles Charrues, c'est quoi en subvention? C'est zéro. Mais ça varie considérablement d'un festival à l'autre, d'un genre à l'autre. Quand on a fait l'étude comparative, on a vu qu'à peu près dans tous les pays, d'ailleurs, les festivals de musique savante, classiques, sont subventionnés à hauteur d'à peu près 50% de leur budget. Tout simplement parce qu'ils sont arrivés avant, à l'époque des 30 glorieuses culturelles. Et quand les festivals de musique actuels sont arrivés, la place était prise, comme l'a dit Marie. Et en plus, il y avait ce préjugé qui a été un tout petit peu modifié au fil des ans. Mais il n'y avait toujours pas le fric pour arriver au niveau. Donc on est aux alentours de 20% en moyenne dans les festivals de musique actuels, en tenant compte de très gros festivals pour lesquels la part est évidemment beaucoup plus faible, hein, voire nulle, comme les Vieilles Charrues, en tout cas en subvention directe, et des festivals de musique actuelle de territoires où il n'y a pas par ailleurs de scènes de musique actuelle, etc., où la part publique peut être beaucoup plus importante. Et c'est ça la très grande diversité du milieu des festivals. Quand on parle des festivals, il ne faut pas seulement regarder en haut de l'affiche, il faut regarder les milliers de festivals qui maillent le territoire français. Olivier ? Non, juste compléter, peut-être qu'il ne faut pas aussi perdre l'habitude en France de se tourner systématiquement vers le ministère de la Culture, qui peut peu, en fait, et surtout compte tenu du constat qu'on a fait d'une régionalisation des publics, quoi, d'une certaine manière. Donc, dans la subvention, il y a aussi les collectivités territoriales qui sont un partenaire. Et je pense que tout ce qu'on vient de dire fait que, probablement, la marge de manœuvre est plus grande de ce côté-là que du côté du ministère. Oui, Gérard ? Oui. En fait, effectivement, des grands festivals ne sont pas beaucoup aidés par le ministère de la Culture. Moi, il y a quelque chose qui m'agace souvent, c'est que de plus en plus de SMAC, je ne sais pas si tout le monde sait, donc c'est les SMAC, c'est les maisons de la culture rock de chaque. C'est la Carène à Brest, c'est la Sirène à La Rochelle. C'est une salle de musique. Voilà. Les responsables de ces SMAC, qui sont souvent des gens de rock, en fait, font leurs festivals qui sont financés par la commune. Etc. Donc il y a quand même des financements publics pour ce genre de festivals. Et il y en a de plus en plus. Ça passe par des équipements, parce que, après, on ne va pas refaire l'histoire de la politique culturelle, mais la politique culturelle, elle s'est faite en termes d'aménagement culturel du territoire, et elle s'est faite à travers des équipements, la création d'équipements. Oui, mais maintenant, ils sortent de leurs équipements pour faire des festivals. Je prends, à Reims, il s'appelle comment le festival ? Voilà, à Nîmes, je peux en citer plein. Voilà, vous les connaissez tous. Et donc, c'est des festivals publics. Enfin, quand on sort ce financement public. Mais je voudrais revenir à la programmation, parce que vous êtes obligé de programmer de plus en plus tôt pour vendre des billets, puisqu'on l'a dit, le premier argument. Après, on revient au festival, mais quand même, c'est quand même l'affiche au départ. Oui, Angelo ? Pas pour vendre des billets, pour avoir accès aux artistes. Pour avoir accès aux artistes. Qu'aujourd'hui, ce que je dis, c'est que les programmations sont plutôt parce que les artistes ont une vraie saison de festival. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on commence à faire des offres parce que les artistes, ils attendent plus octobre, novembre, décembre pour savoir où ils vont aller. Ils savent qu'ils vont aller en Australie, en Amérique du Sud. Donc maintenant, ils veulent savoir au mois de juillet. La question que je me posais, j'ai eu l'impression, il m'a semblé qu'il était arrivé parfois qu'au dernier moment, un artiste que vous aviez programmé annule en disant qu'il est malade et puis on le retrouve à l'autre bout de l'Europe en train de donner un concert pour un cachet plus important. Je me dis, ça doit créer des tensions quand même terribles entre vous. D'abord, parce que vous connaissez tous, vous êtes tous, pas tous. Concurrents là, en fait. Oui, mais en même temps, vous êtes des concurrents. Est-ce que ça crée des tensions ? Ce que j'ai vu arriver, c'est qu'au départ, quand j'ai succédé à Jean-Louis Foulquier au Francophonie, il y avait très peu de chansons de festivals sur la chanson française. C'était même considéré comme ringard. Ouais. Et il y avait Montauban, mais qui a disparu. Et comme les artistes anglo-saxons sont devenus inachetable, je peux comment dire, enfin inaccessible, tous les festivals ont commencé à faire de la chanson française. Et alors, des fois, je suis épaté de voir qu'effectivement, ils sont de plus en plus francophones aujourd'hui parce que les artistes francophones restent accessibles. Malgré tout, ils ont terriblement augmenté leur prix. En 10 ans, j'ai vu les prix d'artistes français devenir quasiment internationaux. Oui, c'est est-ce qu'on ne se chippe pas des artistes au dernier moment, alors peut-être pas entre Français, mais avec les Européens, Emmanuel ? Non, je voulais dire qu'effectivement, vous aviez posé une question tout à l'heure qui n'avait pas eu de réponse, mais il y a des réponses. Effectivement, il y a des artistes qui deviennent hors de portée de festivals pourtant notoires, et même le Hellfest doit renoncer à des affiches parce que les cachets ont dépassé allègrement le million d'euros pour un concert. J'ai vu que Fleetwood Mac, par exemple, ne peut pas passer en France. Le Hellfest ne se refuse aucun.
Donc, quand il dit qu'il est le Hellfest, je pense qu'aujourd'hui, on parle de concurrence déloyale, c'est parce que eux. Non, mais Gun, c'est parce qu'ils ne l'ont pas fait, parce qu'on l'a fait. Mais je pense que s'ils avaient mis les moyens, ils font. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas écouter les gens. Faut savoir, moi, je fais ça l'année parce que c'est un de nos groupes et c'est intéressant. Je pense que la concurrence, et on l'a dit par rapport aux Français, il y a de moins en moins de possibilités dans un festival, et il y a de plus en plus de festivals. Et on vient de le dire, c'est qu'il y a 15 ans, il y avait 2 festivals ou 3 festivals en France qui faisaient du français. Et donc, c'est maintenant, aujourd'hui, il y a de plus en plus de festivals. De plus en plus de festivals se rabattent sur les Français parce que les internationaux sont trop chers, et il y a une véritable surenchère. Et je pense qu'on parle des tartes des Français, on est passé du simple au quadruple, voire quintuple. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas le choix, mais en même temps, sur 40 jours, il y a 70 demandes, et forcément, les gens vont aller vers les Français. Olivier ? Il y a un élément qu'on n'a pas du tout évoqué et qui me paraît quand même important pour expliquer le succès des festivals et puis cette concurrence exacerbée, c'est quand même la chute du monde du disque, oui, du exactement. Secteur du disque, et qui fait que les revenus des artistes en fait ont chuté considérablement et que peut-être eux-mêmes aussi se trouvent, se trouvent peut-être plus exigeants parce que c'est une source de revenus plus importante pour eux qu'il y a 10 ou 15 ans. Oui, mais ils ne sont pas tous à 1 million d'euros quand même. Hein. Non. Je crois que dans les revenus, moyens, 60% des revenus générés par la billetterie et tout ça, c'est 1% des artistes. Hein. Donc on retrouve à peu près le même rapport qu'on a dans d'autres milieux inégalitaires. Ce qui est important, c'est comme je disais tout à l'heure, les Eurocaines, c'est d'aller chercher de nouveaux talents et de nouveaux courants musicaux. Justement, cette concurrence, est-ce qu'elle fait les favorables à l'émergence de nouveaux talents? Bien sûr, mais ce n'est pas la concurrence qui est favorable. C'est la démocratisation, l'accessibilité à la musique. C'est-à-dire que le digital, depuis 10 ans, a révolutionné la musique. Pourquoi ? Parce que pendant 20 ans, on a été à écouter une radio et il y avait 10 artistes qui passaient pendant 6 mois. Les mêmes. On regardait la télévision, c'est les 10 mêmes qui passaient à la télévision. Donc on avait en tout, on avait le choix entre 10 et 10. Aujourd'hui, tous les vendredis, il y a des dizaines d'artistes qui sortent, il y a des dizaines d'albums, et du coup, on a cette possibilité de se dire qu'il y a des artistes qui vont beaucoup plus vite. C'est vrai, Angelo, mais parallèlement, ça fait pratiquement 25 ans qu'il n'y a pas eu un nouveau mouvement musical, et pour la première fois depuis, je pense, avant la Première Guerre mondiale, les enfants dansent sur la même musique que leurs parents. Donc il y a de l'émergence de nouveaux artistes, mais il n'y a pas de nouveauté musicale radicale comme on en a eu successivement avec la techno, avec le rap, avec la pop, avec Il y en a plein. Le jazz, avec le free jazz. L'électro, on a eu la techno, il y a eu l'électro, on parle de la K-pop. Moi, il y a 10 ans, je faisais des concerts de K-pop, tout le monde rigolait en disant, mais c'est quoi de la K-pop? C'est le renouveau après le J-rock, et on vient de faire 2 stades de France avec BTS. Bon, c'est pas une révolution considérable, la pop coréenne, quand même. On voit le nombre de personnes qui s'intéressent aux concerts. Aujourd'hui, il y a du monde. Deux concerts qui se mettent en vente par semaine, ils remplissent des salles de 5-6 000, donc il y a quand même un phénomène. La vraie inquiétude au-delà de ça, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui sont émergents, c'est le cas, mais ça va très vite. C'est qu'un artiste aujourd'hui peut demain être d'affiche et demain ne plus l'être. Et aujourd'hui, le problème. Ça a toujours été vrai, ça Non, parce qu'avant, avant la carrière, c'était on fait un album, on fait un disque, ça peut marcher, on fait une plus grosse salle, on fait un Zénith, on va faire un Bercy et on va faire des festivals. Aujourd'hui, c'est un album Bercy et 6 mois plus tard, c'est fini. Hein. Et Jean-Paul, on en discute un instant, et il y a une prise de risque de la part des festivals qui est assez conséquente parce qu'on n'a plus cette maîtrise. Avant, on pouvait se dire qu'on avait des artistes qui étaient quelque part garants de billets. Aujourd'hui, c'est du jour au lendemain, et nous, on le voit au quotidien parce qu'on ne fait pas que des festivals. Donc quand tu réserves la tête d'affiche, au moment où il passe, c'est déjà plus de tête d'affiche parfois. Et on le prend longtemps à l'avance. Quoi. Oui, c'est exactement. On peut parier sur un jeune artiste qui je prends Angèle pour des exemples. L'an dernier, elle est passée dans une salle de 250 places au Francofolie. Cette année, elle a fait salle comble Oui, ça va très très vite, Marie. Ouais. Angèle était chez nous l'année dernière. Ah. Et cette année, vous avez Aya Kanamura. Et cette année, on avait Aya Kanamura. Mais effectivement, nous, le seul choix qu'on a, c'est d'essayer de trouver les artistes, puisqu'on n'a pas le budget pour se les payer, de leur dire qu'effectivement, on est une plateforme pour pouvoir parler, effectivement, en sortie d'album, aussi souvent, à toute une génération. Et que c'est, nous, au festival, en début de saison. Et on essaye aussi de le faire comprendre aux agents, pour leur dire,
miser sur notre festival, parce que même si vous avez une autre date en vente, même si vous avez une petite, moyenne, très grosse date en vente, ce ne sera pas concurrent, ça va être une plateforme, parce que vous parlez effectivement à toute une génération qui est devant vous et qui va être vrai coup de projecteur sur votre artiste qui va devoir être montré effectivement son concert qui est un spectacle fini, terminé, vraiment au top de sa performance et qui va pouvoir se lancer. Mais il y a aussi un sujet dont je voulais parler des shows, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'artistes aussi qui n'ont pas du tout la capacité, des artistes qui maintenant ne font plus que des arénas, on ne peut pas les accueillir en festival, enfin nous, pas dans nos festivals. Je ne parle même pas du mien qui est encore petit festival, mais même dans des très gros festivals comme les Zora qui font partie de ces artistes-là, on a des shows qui ne rentrent pas sur les scènes. Sont effectivement, nous on le sait, professionnels, et que les changements de plateau, puisqu'il y a 45 minutes pour faire rentrer un groupe et en faire sortir un autre, donc on ne peut pas enchaîner un très très gros show avec un autre très très gros show, même si le festival est un monstre qui tourne 24 sur 24, puisque les groupes arrivent à 3h du matin, ils font leur balance, ils répètent, ils vont dormir, parce que c'est le tour qui va faire les réglages, etc., avec les équipes techniques. Et donc, ces très, très gros shows ne peuvent pas trouver un festival. Même si on avait l'argent, ce serait quand même très, très compliqué de les faire. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans ces gros shows, ils font les arénas et on ne va pas forcément les retrouver sur nos festivals. Ils veulent tous passer, comme ils ont tous des écrans et des light shows, ils veulent tous passer à 21h, 21h. La même heure, oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est intéressant, ça. Pourquoi ? Parce que finalement, le festival, c'est plus grand que l'artiste. C'est-à-dire que soit il rentre, soit il ne rentre pas dedans. Nous, on ne construit pas un festival autour d'un artiste. Je sais que c'est un peu une tendance à dire « Bon, je vais me choper Rammstein et puis je vais essayer de construire en fait une journée autour de ça, ou Slipknot, ou Hellfest, etc. » Mais moi, je me bats continuellement avec mes programmateurs pour l'idée contraire. Soit il rentre dedans, soit il ne rentre pas dedans. C'est tout. C'est comme ça. C'est notre festival. Et en plus, il faut lui donner envie de venir dans le nôtre. Parce que bien entendu, voilà. Parce que sinon, on va se transformer en Stade de France, quoi. Tu vois, c'est pas ça qu'on vend, nous. Alors, bien entendu, on a des limites. On a tous des limites techniques, forcément. Le Hellfest a un peu moins de limites que nous. Peut-être que nous, on en a plus que vous, etc. Mais je crois que c'est ça qu'on doit défendre. En fait, on doit défendre l'univers de chacun de nos festivals. Alors, justement, parlons-en de cet univers, de chacun des festivals. On sait bien qu'il faut se distinguer. En même temps, on est un peu obligé de faire comme tout le monde, parce que c'est aussi ça, la concurrence. L'affiche, on en a parlé. Il y a le lieu. Il y a une tendance, aujourd'hui, à délocaliser. Localiser son festival dans des lieux insolites, aller démultiplier les lieux de production des artistes. On voit bien à quel point le lieu, le décor, c'est important. La presqu'île, le décor urbain, les usines. C'est quoi ce grand festival? C'est Colors of Ostrava en République tchèque, hein, où c'est un ancien site de mine et d'acier désaffecté. Il y a des choses à dire là-dessus? Emmanuel Négrier, le lieu, le décor. Le lieu, le décor, il est là pour signifier le caractère unique de l'expérience festivalière. Dans un monde où, effectivement, comme on l'a déjà dit, là, il y a une concurrence, donc il y a des tendances à la standardisation par les prix. Donc, des logiques d'affiches, parce que les affiches, si ça coûte cher, c'est aussi parce que ça peut rapporter gros, forcément. Les festivals s'exonèrent peu du recours à une tête d'affiche. Même des petits festivals, à leur échelle, ils cherchent une affiche un peu significative. Bon, le lieu, c'est une manière d'identifier aussi le festival dans ce monde qui est de plus en plus peuplé et où donc la course à la distinction est de plus en plus délicate. Hein ? La presqu'île de Malsaucy, c'est quand même un lieu qui délivre une expérience particulière, mais la Hellfest à Budapest aussi, et ainsi de suite. Les festivals qui ont lieu dans des monuments historiques et qui valorisent ainsi d'autres aspects de la dimension culturelle d'un pays, c'est une autre manière de faire. Et effectivement, la signalisation, la signalétique plutôt, la décoration font partie de ces logiques-là qui sont toujours très délicates parce que les bonnes idées ne sont pas aussi nombreuses que le nombre de festivals. Le champ, le grand champ de plusieurs centaines d'hectares à Woodstock, ce serait plus possible aujourd'hui. Personne n'irait. A priori. Bah, les vieilles charrues, c'est un peu ça quand même. Oui, les charrues, oui. Bon, ça existe depuis un moment, les charrues maintenant. Ouais.
Non, c'est encore le cas dans beaucoup de festivals. Hein. C'est encore le cas, mais après, il y a un travail scénographique qui peut être important. Il y a même souvent très, très important. Et ça dépend si on choisit de mettre le budget ou pas. Par exemple, Dour a déménagé cette année dans un site d'éoliennes qui est hautement scénographique. Mais par contre, aucun arbre et un festival qui est plat à perte de vue. Ça n'empêche pas que le festival de Dour en Belgique est un des festivals les plus intéressants actuellement sur la scène actuelle, enfin, toute musique actuelle, et qu'ils ont réussi à peut-être trouver une autre façon de s'exprimer. Jean-Paul ? Oui, ce dont vous parlez, en fait, c'est la sémination. Non. Disneylisation. Voilà, des festivals. Coachella, le Hellfest, Tomorrowland. Voilà, c'est-à-dire finalement le décor, il est tellement hollywoodien, finalement, que c'est ça l'expérience. Mais effectivement, comme dit ma Marie, là, ça veut dire aussi des budgets qui sont conséquents. Hein, au Hellfest, c'est pas du 100 000 euros qu'on parle. Hein, on parle vraiment là de plusieurs, c'est plusieurs millions. 100 euros la place aussi. Oui, mais c'est pas. Enfin, franchement, c'est pas 200 balles pour voir ce qu'il a proposé là. C'est ouais, on est dans le blockbuster là. On est vraiment dans le blockbuster. On est vraiment dans un gros truc. Mais ça, je veux dire, c'est une tendance effectivement. C'est une tendance qui est forte et qui permet, à mon avis, effectivement, de dépasser et d'exacerber ce qu'est l'expérience finalement du festival. Après, c'est de savoir effectivement. Tu parlais de Dour. Dour, ils sont dans quelque chose où ils vont être au plus près de la musique. Et c'est peut-être tout ça notre problème à nous programmateurs et directeurs, c'est-à-dire est-ce qu'on passe du temps sur le décorum finalement, ou on passe du temps sur ce qui nous a fait lever le matin, c'est quand même la musique quoi. Voilà. Et donc peut-être que là on est dans les vieilles générations qu'on représente nous. Là. Mais parce qu'il n'y a pas que le décor, on va le voir. Hein. Il y a plein d'autres manières aussi de se singulariser. Angelo. Oui, mais ce que disait Marie, c'est important, c'est qu'aujourd'hui l'expérience des gens sur le festival, elle est aussi importante que la programmation. Parce que je pense qu'à un moment donné, les gens viennent pour regarder des concerts, effectivement, mais il y a des plages de repos. On parle aujourd'hui, par exemple, de nourriture. Et là, c'est aussi important pour les gens. Il y a de nouvelles modes de consommation. Le fooding est devenu important. L'expérience, et que ce soit aussi sur des concerts, est devenue conséquente. Il y a des choses, des festivals se sont créés autour de Dieu. Ça a été le cas sur le Main Square qui était sur une place. Ça a été le cas sur Belfort qui était autour de Lille. Mais je pense qu'après, j'ai du mal à voir. Il y aura toujours des festivals qui ont des affiches s'ils ont un beau lieu. Et que c'est de mettre dans un champ, si la programmation est là, les gens viendront. Je pense qu'il faut dépasser ce stade et se dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a ou pas de la place sur d'autres festivals en France, comment on doit les amener, est-ce qu'aujourd'hui les enjeux ça va au-delà, est-ce que les enjeux aujourd'hui se dire, est-ce que la puissance publique a encore les moyens d'investir dans les festivals, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités, et je pense que c'est ce débat-là aujourd'hui qu'il faut arriver à mettre en place pour savoir comment on peut arriver tous ensemble à cohabiter, parce que le seul lien qui nous unit et qui est important, c'est l'artiste. Et demain, comment on peut, nous, faire en sorte que l'artiste continue à réussir et que ce ne soit pas des cycles qui soient courts, parce que des cycles courts d'artistes et des artistes qui sont éphémères, c'est des festivals qui peuvent être en danger aussi. Ce dont on discute, en fait, c'est le caractère événementiel de la prestation. C'est-à-dire qu'avant, on avait un public en province ou à Paris, s'il y avait une bonne salle de théâtre, un beau musée, etc., il y avait des lieux et on allait dans ce lieu. Et en fait, la clientèle de ces lieux était dégressive d'année en année. Et tout d'un coup, au lieu d'aller au musée, on a relancé des expositions éphémères, des expositions thématiques. On en sait quelque chose, nous, on a créé notre fondation pour ça. On n'a pas de patrimoine, c'est de la médiation. En fait. Et si vous regardez aujourd'hui le succès des grandes expositions, ça l'emporte sur l'attractivité des musées hors Paris, hein, mais ça l'emporte. Si vous regardez la musique, c'est pareil. Il y a des belles salles de concert dans certaines villes, etc. Mais le festival recrée de l'événementiel, recrée de la nouveauté, recrée des focus. Et par rapport au processus digital, où chacun est obligé quand même, malgré tout, de rentrer dans un processus itératif pour aller chercher les trucs qu'il aime, faire du tri, etc. La force du festival, c'est de créer des offres d'événements. Et on y va pas. Mais quand on est fidèle à un festival, on se dit, on y va. Je ne sais pas si on regarde les têtes d'affiche, mais quand on va au Vieille Charrue, c'est pour une journée, le pass, c'est la journée ou les 4 jours, etc. On a un rapport de confiance, on a un rapport affectif avec le festival. Et donc, ces événements sont en fait aujourd'hui les grands vecteurs
de loisirs ou culturels selon ce dont ils portent. Et je pense que c'est en soi une véritable opportunité. C'est une vraie opportunité. On est dans le système capitaliste, on est dans la marchandisation, tout ce que tu as dit est juste. Mais en même temps, c'est, puisqu'on était dans un système aussi, même si c'était financé par la puissance publique, les bâtiments, etc., aujourd'hui, on est dans un système mixte, mais qui fonctionne vachement bien. Alors après, il a le tort du système capitaliste, et qu'il est obligé de détruire de la valeur pour en recréer d'autres. Ça, il n'est pas capable d'en avaler et d'en accumuler. Et ça fait partie des questions que posait Frédéric. C'est combien de temps on dure dans la tournée, mais quand même, quand je vois revenir encore Roger Waters, je me dis, ça marche quoi, non? C'est qu'il s'ennuie. C'est quand même en train de changer. Je trouve que le public devient de plus en plus exigeant. Ce qui est bien. Non, mais c'est vrai. Avant, justement, le paléo, les vieilles charrues remplissaient. Là, c'est la première année où il y a des jours qui sont pas complets. C'est jamais arrivé avant. C'est la première année où il y a des festivals qui sont annulés. Je pense qu'il y a un double, au moins une double chose, c'est que le festival raconte une histoire et que la programmation s'abonne. Donc il faut vraiment allier les deux. Enfin, je ne sais pas si vous en pensez, mais... Parce qu'avant, il n'y avait que le Paléo. Maintenant, il y a de plus en plus de festivals en Suisse. Donc je pense que quand tu parles d'exigence, elle vient de là. Elle vient aussi par le fait qu'il y a aussi de la concurrence. Et il y en a qui ont eu vu l'émergence d'artistes que peut-être le Paléo n'a pas vu. Et c'est pour ça que l'exigence des clients, elle est importante. On parle de Roger Waters, tout le monde le voudrait en festival. Malheureusement, il joue que de nuit. Et écoute cher. Et on parlait tout à l'heure des productions. Nous, on a fait un festival, on avait Rammstein et Maiden. Rammstein ne jouait que sur des cadres de scène noirs. Et Maiden sur des cadres de scène argent. Donc dans la nuit, on a dû démonter la scène parce que le lendemain, ils ne voulaient pas jouer avec la même chose. Donc là, c'est compliqué. Mais je pense que là, ce qui est bien, c'est encourageant. C'est se dire qu'il y a de plus en plus d'événements et il faut arriver à trouver l'équilibre. Mais après, c'est la concurrence des festivals qui a donné leur troisième chance aux vieux rockers, quoi. C'est Iggy Pop à Landerneau, Tom Bob Story. Voilà, pitié pour eux, quoi. C'est quand même sympa. Mais moi, ce que je trouve intéressant par rapport, et je rebondis sur ce que disait Gérard Pont, c'est qu'au départ, et pas seulement à Woodstock, dans les années qui ont suivi, c'était dingue, et ça caractérisait vraiment les concerts et les festivals pop, c'était l'inconfort, c'est-à-dire le fait d'attendre, le fait qu'il vous pleuve dessus, qu'on soit dans la boue, qu'il n'y ait pas de toilette, qu'on mange des sandwichs merguez avariés en buvant de la bière fétide, debout, sous le soleil, et les gens étaient contents. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression de participer à un événement tellement extraordinaire en soi, parce que très rare, que ça leur suffisait. Ils avaient déjà leur expérience, qu'ils viennent tout chercher. Les gens du jazz ou de la musique classique n'auraient jamais accepté le niveau de véritablement de mépris. C'était pas des jeunes. Mais tiens, ça dépend. Mais non, la jeunesse faisait peur. Oui, peut-être. Il y avait même le son. Le son était dégueulasse dans les festivals. Mais parce que c'était les premiers événements pour la jeunesse. Ouais. Après, tout le monde a voulu rester jeune, devenir jeune. Mais à cette époque-là, il y avait les vieux et les jeunes. Et les jeunes faisaient peur aux vieux. Mais en tout cas, on les traitait un peu comme du troupeau. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, possible. Parce qu'il n'y avait pas... Aujourd'hui, il y a quand même vraiment des sonos qui s'adaptent partout. Il y a des téléphones portables, il y a des toilettes qui se mobiles. Il n'y avait rien. Et aujourd'hui, gastronomiquement, les festivals, ça a monté. Ah bah maintenant, c'est des Rolls-Royce. On mange très très bien dans un festival aujourd'hui. On dort très bien. C'est plus possible. Il y a des campings de luxe. Ouais. J'ai testé le camping de Hellfest. Il y a deux niveaux de camping... Non, c'est devenu des oui, c'est et le public aime bien être bien accueilli, bien manger, bien entendre, oui, que ce soit confortable. Pas encore d'être assis quand même. Ça, c'est super vraiment... luxe. Ah, je sais pas, il y a Coachella a fait un Coachella pour vieux là. Je sais pas si c'était assis ou pas quand il y a eu Neil Young, Bob Dylan et je sais pas, ils étaient assis les gens. Non. Pour Bob Dylan, ils sont tous en déambulateur. Marie, là-dessus. Mais là, je crois que c'est on parle avec un peu de nostalgie des festivals, mais je crois qu'on est à un vrai tournant. Pas là-dessus, pas de nostalgie du tout. Je vous entends quand même parler d'un festival avec un peu de nostalgie. Je pense qu'on en est très, très loin, là. C'est pour ça que je le dis. Je pense qu'on est vraiment à un tournant actuellement en termes de festival. On le sait tous, que la nouvelle génération écoute des choses très, très différentes et arrive très fort.
que le milieu de la comment dire du hip-hop est en train de prendre le pas de façon très très lourde sur ce qui est en train de s'écrire, de s'écouter. Je veux dire en train d'inventer de nouveaux langages. Hein, on parle d'Aya Nakamura qui est en train d'inventer carrément un nouveau slang qui est très critiqué sur les réseaux, mais qui amène. Donc je crois que à plus 5 ans, très sincèrement, les grands festivals et je parle pas de grands en termes de capacité, hein, mais vont beaucoup changer. Et il y a des histoires musicales qui vont être assez différentes, mais pas que. Et là, vous parliez effectivement du côté qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit. Je dis, on voit la jeunesse actuellement qui est très mobilisée. Je pense qu'on est à même un tournant de société. Je dis pas seulement parce que notre festival a une ligne de conduite à la fois en termes de production. Une cause, mais en tous les cas, surtout, on a envie juste de réfléchir à la façon dont on produit un événement, parce qu'on est des producteurs de spectacles. Hein. Moi, je fais ça depuis plus de 20 ans. Donc, on a cette approche d'essayer de changer un tout petit peu notre métier et le dire aussi. Et ça passe aussi par le fait de manger. Et manger, c'est aussi offrir aux festivaliers quelque chose de différent. Mais pas seulement, c'est aussi de mettre en scène des gens qui font à manger, qui sont des gens remarquables, qui ont eux-mêmes une énergie, une façon de travailler, sont envie de tenter ce que nous on appelle la gastronomie de camping. Ce que ça veut dire de fermer son restaurant en week-end, de venir sur le festival et de tenter de donner à manger alors que dans son restaurant on va avoir, 200 couverts pendant le week-end et de pouvoir donner à manger à 5000 personnes. Donc moi j'ai des amis, copains ou connaissances de chefs qui sont venus sur le festival, certains qui ont dit je ne ferai plus jamais ça, mais c'était un enfer, ou certains comme le Septime cette année qui le samedi soir n'avait plus rien, était complètement dévasté, a passé la nuit, est reparti acheter avec une charte de festival très lourde en termes de traçabilité. On en parlait encore avec, avec Gérard tout à l'heure qui se demandait, ses équipes commençaient à demander d'où venait le jambon, comment était élevé les porcs. Est-ce que le jambon qui est dans le sandwich a été élevé bio à proximité, voilà. Est-ce qu'on lui a chanté des berceuses, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a un changement de paradigme sur savoir qui sont même les gens qui vont venir travailler sur le festival. Donc il y a une transparence. Enfin, je pense que les gens qui viennent dans le festival maintenant, comme dans toute la population, on a envie de transparence, on a envie de savoir et d'une exigence et qui est une exigence sociétale. Je veux dire, alors qu'avant, ils étaient tous bénévoles, par exemple. Maintenant, non. Non, mais je pense que des bénévoles, il y en a encore énormément. Et attention, être bénévole, c'est pas seulement aider un festival et nous de se servir des bénévoles. Être bénévole, c'est une expérience professionnelle. C'est donner de la pédagogie et avoir sur son CV, dire voilà, j'ai fait bénévole pour tel festival. Moi, quand je vois quelqu'un qui a fait bénévole pour un festival, ça m'intéresse effectivement de l'embaucher parce que je me dis, il a une expérience. Donc oui, je pense qu'il y a un changement sociétal de l'envie de savoir qu'est-ce qui va se passer dans ce festival de façon différente. Emmanuel ? Oui, je voudrais dire quand même que plusieurs choses à propos de la concurrence. Est-ce qu'elle est trop dure ? Parce que c'est quand même le sujet. Ce que vous dites, c'est qu'il y a effectivement des renouvellements, des nouvelles exigences, que c'est devenu de plus en plus risqué financièrement d'assumer un festival. Il faut le dire aussi, hein, ça apparaît comme ça, comme des Eldorado du secteur culturel, mais en fait, ce sont des entreprises qui sont relativement fragiles, mixtes, la plupart, assez fragiles sur le plan de leur rentabilité, et même quand ils sont la propriété de grands groupes internationaux qui, si on regarde juste l'économie du festival, peuvent être en déficit. Hein, alors, si on regarde l'ensemble de l'économie du grand groupe, on voit que ce grand groupe se retrouve sur certains segments quand il perd sur le festival, puisqu'il y a placé ses artistes éventuellement, etc. Bon, mais voilà. Mais la concurrence en soi ne me semble pas une chose plus ou moins dure, en tout cas problématique. Ça fait longtemps qu'il y a de la concurrence. Et en même temps, tous les festivals qui se sentent en situation de concurrence sont en même temps ceux qui sont les plus coopératifs entre eux. Alors que les festivals de musique classique, souvent, ne se sentent pas du tout en concurrence les uns avec les autres. Moi, je suis maître chez moi. Mais, par contre, ne coopèrent quasiment pas entre eux. Le problème n'est donc pas la concurrence. Le problème, c'est les phénomènes de concentration entre différents types d'activités qui, jusque-là, étaient séparés. C'était un milieu artisanal et qui est en train de, par petites touches, de ressembler à un secteur oligopolistique.
Angelo. on sait que Live Nation organise, je crois, alors c'est quoi le chiffre? Un concert toutes les 20 minutes dans le monde. C'est toi le monopole, alors. Ouais, mais est-ce que j'ai la tête d'un monopole? Non. Non, mais c'est pour ça, c'est, mais après, il y a deux c'est visions. C'est le numéro un mondial de l'organisation. Il y a deux visions. Il y a la vision de l'entrepreneur et la vision du sociologue, l'observateur. Il n'y a pas de concentration, ça n'existe pas. Nous, on ne va pas acheter 50 festivals. Et là, je vois, par exemple, on a fait Solidaise, la moitié tête d'affiche était d'articles travaillés à l'année. Notre but à nous, c'est, il faut savoir que le but d'un producteur de spectacle, avant tout, c'est ce qu'on est, c'est de produire des artistes et les développer en étant petit, est-ce qu'ils arrivent gros. Et si nos artistes font tous les festivals, nous sommes heureux. Jean-Paul en vend des festivals, vous l'ouvrez, on en vend. On en vend partout. Le but, ce n'est pas de vendre. Notre rôle est producteur de spectacle, avant tout. D'accord. Donc, mais la question de la concentration, telle que je l'aperçois, n'est pas forcément la question de la concentration en multiplication de festivals. Ce n'est pas ça, le truc. Le truc, c'est d'être à la fois fort dans le segment des festivals, fort en billetterie, propriétaire de salles. Ah, mais on n'est pas propriétaire de salles. Tourneur d'artistes. Mais on n'est pas déjà. On n'est pas tourneur d'artistes. Ça manque de respect. Déjà, les Français sont producteurs d'artistes et prennent des risques de produire des artistes depuis leur début et pour les années au festival. C'est de l'investissement, c'est de l'entrepreneuriat. On n'est pas tourneur. Un tourneur, c'est quelqu'un qui vend un artiste. On ne vend pas un artiste. On prend un risque entrepreneurial. C'est différent. Et on n'est pas, on n'a pas de salle. Plus. Aujourd'hui, on décide de faire des festivals parce qu'on pense qu'il y a une opportunité. Tout le monde a dit il y a 10 ans, quand la Vision est arrivée, ils vont racheter toutes les salles, tous les festivals. Ça n'a pas été le cas. Oui, si on parle de groupe, c'est un fantasme. Le fantasme, le groupe, il est en face de vous. Il s'appelle Angelo Gopé. Il vient de banlieue et il est Saint-Ouen. Oui. Et les Mauriciens. D'accord. Par contre, ce qu'on ne parle pas à votre niveau, c'est de se dire que dans la culture, parce qu'on n'en parle pas non plus, dans la culture, elle est où la diversité? Elle n'existe pas. La diversité, la femme dans la culture, elle n'existe pas. Il y a Marie qui est à la tête d'un festival, mais il y en a très peu. Il faudrait plus de femmes entrepreneurs, plus de femmes à la tête de festival et plus de gens issus de la diversité. Ça, c'est un véritable problème sociologique. L'effet de la concentration n'existe pas. Nous, on a 3 festivals en France. Et on le voit cet été à Paris, où il a ouvert un marché, Solidaise marche et la Polaza vont marcher. Point. Ce qui intéresse, c'est qu'aujourd'hui, des gens comme nous développent des artistes pour pouvoir remplir des festivals. Et si aujourd'hui, on rentre dans un débat qui est contradictoire en disant qu'on ne peut pas être et producteur et festival, je pense que We Love Green, puisque Because ici en fait partie, peuvent aussi taxer les concentrations. Et ce n'est pas le cas. Tant mieux qu'il y ait des gens qui produisent des artistes à l'année pour pouvoir les proposer au festival. Mais vous comprenez bien que ça n'est pas votre trajectoire ni votre personnalité que je mets en question. La question, c'est Live Nation et Live Nation, au-delà... Au-delà. Il est devant vous, Live Nation. Donc, oui. Posez-moi la question. Angelo Gopé, que faites-vous? Et je représente Live Nation. Au-delà de Live Nation, ce que je mets en question, c'est pour respecter d'ailleurs ce à quoi vous. Le Fimalac sera plus. Fimalac ou AEG, si vous voulez. Ou AEG. Voilà. Bon, ce que je mets en question, c'est le risque qui pèse sur quelque chose qui vous tient à cœur, puisque vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est la grande diversité sur l'ensemble du territoire français de toutes ces initiatives formidables. Il y a un problème auquel vous ne pouvez pas ne pas être sensible, qui est un problème potentiel, je dis potentiel, d'abus de position dominante. Et ma règle en analyste, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Autrement dit, si entre des logiques de billetterie et des logiques de programmation artistique, il peut y avoir des effets néfastes, il vaut mieux les anticiper que ensuite déplorer la disparition de festivals. Le problème, c'est que je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est-à-dire que vous parlez d'une logique qui n'existe pas. Aujourd'hui... Il y a eu quand même des procès antitrust qui ont été déposés, pas en France, mais il y en a eu qui ont été par AEG, par ces compagnies-là, AEG, quand même. C'est des concurrents qui ont eu peur. On sait très bien qu'ils l'ont fait. Et AEG fait la même chose. Si je ne joue pas au Staples Center, si je joue pas aux deux. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on parle d'un territoire français. On est d'accord. On parle d'un festival français. Live Nation en France, Angelo Gopé. Point. Tant que je suis là, je suis garant de s'intégrité. Point. On a commencé au départ, on était 4, aujourd'hui on est 80. Live Nation International n'a pas mis un centime dans ce bureau. Tout ce que j'ai fait depuis 10 ans, c'est de l'argent que j'ai gagné avec un budget que j'ai défendu et des valeurs que je défends au quotidien. Donc c'est pour ça que je ne suis pas contre le fait qu'on puisse débattre et qu'il y ait des sociologues. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a une réalité qui est celle qu'elle est, qu'il y a des producteurs, qu'il y a des festivals, qu'il y a des salles et qu'il y a des billetteries. Et c'est complètement cloisonné. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est néfaste, et nous on le vit en tant que producteurs, c'est pas la concentration de la billetterie et des producteurs. Ce sont des maisons de disques aujourd'hui qui ont des éditions,
des artistes, je ne parle pas de Bicos parce que c'est un artisan, mais et qui ont des billetteries et des salles. Ça, on peut dire c'est dangereux. Et là, ça va être un monopole. Mais ce n'est pas nous. Et on ne parle pas de ces gens-là. Je pense que si on parle de ça, oui, on peut dire qu'il y a un danger parce qu'on va aller vers un danger. Mais sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit ? C'est un secteur concurrentiel. On ne va pas s'arrêter à ça. Moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse tous ensemble, comme aujourd'hui, débattre et se dire comment on peut arriver demain à pérenniser un secteur de festival, à pérenniser des salles de spectacle, à pérenniser des artistes. Parce que les artistes aujourd'hui, ils ne sont pas aidés. Parce qu'on voit aujourd'hui que les 600 000 euros de Val-de-Roc, les artistes me posent la question en disant mais pourquoi nous, on n'a pas des salles de répétition ? Pourquoi on ne fait pas une émergence d'artistes ? Pourquoi on n'a pas des nouveaux groupes qui arrivent ? S'il n'y a pas de nouveaux groupes qui vont émerger demain, après-demain, les festivals vont être vides. On parle tout à l'heure de valeur. À mon époque, il y avait des groupes de reggae et des groupes de rock. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y en a plus, il n'y a que des rappeurs et que des DJ. Bah, c'est les seuls qui vendent des disques. Bah, oui, mais on s'en moque de vendre des disques. Aujourd'hui, quand on était groupe de reggae, quand on était groupe de rock, on répétait pendant des heures et des heures dans les studios de répétition. On partait ensemble dans des estafettes, des J9. On partait faire des kilomètres et des kilomètres pendant des heures. Et on avait créé ces valeurs de fraternité qui faisaient qu'aujourd'hui, on était un homme avec des véritables valeurs. Aujourd'hui, on est une société qui est individualiste. Et si on se pose des questions de concentration, on est loin de la réalité. La réalité, elle est comment on peut aider les jeunes artistes, comment on peut faire en sorte que les groupes aujourd'hui puissent émerger et remplir les festivals. Dernier mot, Emmanuel. Juste et puis une petite anecdote pour sortir du territoire français, si vous voulez. C'est l'histoire du Primavera Festival à Barcelone, gros festival indépendant qui s'est posé une question. C'est comment je peux rester indépendant demain, dans 5 ans ? C'est la même question que s'est posé un petit festival petit, moyen, festival normand qui s'appelle Les Papillons de Nuit, hein, dans 5 ans. Qu'est-ce qu'il en sera de mon indépendance ? Et ce qu'a fait le responsable directeur du Primavera, c'est qu'il a regardé, il s'est dit, bon, ben, je vais tomber dans les bras d'un milliardaire américain pour éviter de tomber dans les bras d'AEG ou de Live Nation. Okay. Primavera Festival Live Nation. Donc c'est Live Nation qui fait la programmation du Primavera à Los Angeles l'année prochaine. Donc l'indépendant qui tombe dans les bras d'un milliardaire, c'est la belle histoire, mais la réalité, c'est que Primavera est booké par Live Nation à Los Angeles. Mais je pense qu'il faut arrêter cette histoire d'opposition. Sans pour autant appartenir à Live Nation, on est d'accord. Okay, alors dans ce cas-là, pourquoi il se fait programmer par Live Nation Parce que justement, Live Nation est également un programmateur. Enfin, ouvrons le débat, Marie. Moi, je pense que ce qui peut être intéressant aussi, c'est que quand tu as un territoire comme le territoire français, et quand on parle à des grands groupes comme celui que défend Angelo et qu'il a monté effectivement de façon assez de terrain, hein, puisqu'effectivement, comme il dit, il y a un catalogue de développement d'artistes français. C'est aussi de pouvoir se retourner, du fait qu'il est en position vraiment de porte-parole, je dirais, de la France, de pouvoir se retourner vers les agents internationaux et d'expliquer le marché français. Et de leur dire, écoute, globalement, sur le marché français, tu as le choix de faire certains festivals et de pouvoir, ce qu'on attend en tous les cas, d'être en porte-parole. Et de dire, globalement, le marché français, comme tu le dis très bien, n'a pas du tout les moyens d'un marché européen, du fait de sa capacité, du fait de sa problématique de structure de modèle économique, des charges qui pèsent sur nous, qui sont passées d'autres pays, et de faire un choix sur des gros groupes, pour leur dire, effectivement, sur ton routing de tournée, tu vas avoir des gros festivals, le Primavera, effectivement, qui peuvent faire des offres parce qu'ils ont une capacité, parce qu'ils ont des charges moins lourdes, parce qu'ils ont des très gros partenaires financiers. Et dans ton routing, tu vas avoir d'autres festivals, mais qui vont pouvoir, sur le marché, être représentatifs. Et c'est le bon moment pour ton groupe à l'instant T, parce que 6 mois plus tard, tu vas avoir un headline show qui va pouvoir être un vrai porte-parole. Et je pense que les grands groupes, c'est leur mission. C'est leur mission de se retourner vers l'international et d'expliquer le marché et en quoi la diversité française, qui n'est pas celle de la Tchécoslovaquie ou de la Pologne, etc., peut être intéressante et que ce groupe-là ne zappe pas la France. Angelo, est-ce que tu as expliqué les francophonies à Los Angeles ? Non, mais l'année dernière, on a expliqué à Depeche Mode que la France était importante. Ils avaient des offres beaucoup plus importantes dans tous les pays d'Europe. Ils sont venus faire les Vieilles Charrues, les Déferlantes, le Main Square, et ils l'ont compris. Sting, tous les ans, vient faire 7 à 8 festivals en France, qui sont tous complets. Et donc, on essaie quand on peut. Après, la différence qu'il y a, c'est, comme je dis, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'artistes urbains. Et Marie l'a dit, parce que c'est des artistes qui sont prédominants. On a une réelle difficulté de discernement avec ces gens-là, parce que eux, ce qu'ils voient, c'est pas le long terme, parce que peut-être que demain, ils n'existent pas. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est aujourd'hui, quel est le festival qui leur offre le plus d'argent. Donc, on a une problématique de vision et d'actualisation, de mondialisation de la musique, parce qu'un Américain, aujourd'hui, aux États-Unis, il peut faire 30 festivals
pour 300 000 $ et quasiment le soir il peut rentrer chez lui. De venir en Europe pour venir, il se dit, je vais venir en Europe pour aller prendre 50 ou 100 000 $, prendre un bus, voyager de nuit, pas avoir d'hôtel, ça les intéresse pas. Donc on est pragmatique. Je pense qu'il faut, il faut anticiper ça et je pense qu'il faut trouver un modèle différent de festival. Et c'est pas parce qu'elle est là, Will Overeem l'a trouvé, c'est un acte social. Aujourd'hui, il est un acte militant. Les gens vont voir Will Overeem parce que le festival est bien, parce que la programmation est bonne et parce qu'aujourd'hui, on a pu voir les jeunes se posent des questions sur l'environnement et pour eux, c'est un acte militant. Comme Dallas Solidaire, c'est un acte militant. Oui, et voilà, donc je pense que c'est vers ça qu'il faut qu'on aille et je pense qu'il faut qu'on dépasse le Hellfest, par exemple. On peut dire tout ce qu'on veut, être d'accord ou pas. Aujourd'hui, c'est complet. Nos deux amis ont été et ont pu voir comment c'était. Et les gens vont critiquer parce que c'est Disney, mais au moins ils ont la chance de créer un festival avec une identité, avec des gens qui viennent tous les ans de toute l'Europe et de toute la France. Je pense que c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Je pense que le débat de se dire de l'opposition, je pense que c'est pas constructif de s'opposer. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, on parlait de désengagement de la puissance publique, c'est de s'asseoir ensemble et de savoir comment on peut arriver, c'est ce qu'on fait nous avec Jean-Paul, avec Jérôme, Olivier Charru, comment on peut arriver à se poser très tôt pour essayer d'anticiper les problématiques qu'on aura dans les mois qui suivent. Angelo, je pense, moi je suis ravi en plus que toi tu aies pris la tête de ce Live Nation ici, mais regarde ce qui se passe en Belgique, tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand les gens commencent à regarder ce qui se passe en Belgique, ou par exemple en Belgique, c'est les festivals Live Nation qui prennent l'ensemble des groupes et qui de façon ne peuvent pas passer dans d'autres festivals, et je connais ces gens des festivals qui galèrent parce qu'ils ne peuvent pas avoir avec mes Français, pas... Mais t'as la même chose avec le Hellfest, hein. Non, mais le Hellfest ils prennent des groupes et ils font une mainmise sur le c'est aussi parce que on a vu ça en Belgique qu'effectivement il y a quelques craintes ici. On a un pays effectivement très structuré ici. Il y a des SMAC, il y a des Zénith, etc. Tout le monde joue un petit peu son rôle. Et c'est ça, comme tu dis, on est tous d'accord là-dessus. C'est ça qui fait cette richesse finalement de la France. On peut venir dans une salle ici, voir un petit groupe l'été, on va le revoir dans un autre festival. En Belgique, ça commence à être difficile. Si tu veux. Mais Manuel, il y a un point sur lequel je voudrais signaler mon accord avec Angelo, et c'est un accord intéressant. C'est quand il évoque la question de l'intervention des festivals et de ces groupes, plus généralement, dans les quartiers où, finalement, l'offre culturelle est faible, voire même inexistante. C'est un grand défi, ça. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'effusion sociale des festivals, c'est effectivement exact. Sauf que quand on regarde la sociologie des publics, il manque quand même à l'appel beaucoup de représentants des catégories populaires. Et si on avait des statistiques ethniques en France, on s'apercevrait aussi que même les festivals de musique du monde, quels qu'ils soient d'ailleurs, sont souvent des festivals où ceux qui sont issus des musiques du monde sont sur scène, mais très peu dans la salle ou dans le chant, quand c'est un chant. Donc il y a effectivement là un enjeu. Et je trouve que c'est quand même assez fort comme élément de critique indirecte à l'égard des puissances publiques, que de voir que c'est quelqu'un qui vient de l'entreprise privée, qui vient des quartiers, à titre personnel, mais qui représente un grand groupe privé, qui souligne cet enjeu-là. Et je pense que ça doit tous nous faire réfléchir. Olivier ? Non. Je veux partager l'avis d'Emmanuel. Non, il n'y a rien à ajouter, oui, je suis d'accord. Il nous reste quelques minutes, des mini-conclusions de la part de Michel-Edouard Leclerc. Non, je ne conclue pas, mais je me rendais compte, et je voyais le plaisir de Frédéric, à la fin, là, vous deveniez un peu Carrefour, Lidl et tout ça, là, ça chauffait un peu. Là. Et tu sais que si un jour ça ne va pas pour toi, tu viens me voir, hein, parce que t'es un bon, toi. Hein, je savais que tu étais un bon, mais tu as une manière d'enlever... tu as un côté Teddy Riner pour enlever l'argument. Là, qui est... Non, c'est pas du tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une chose qui est essentielle dans la vie, c'est la passion. Oui, je sens ça. Et moi, je viens de la passion et je viens de la musique. Ouais. On parlait tout à l'heure, c'est qu'au départ, les premiers concerts que j'ai faits, c'était des concerts de hip-hop et de rap. Ouais. Les premières tournées d'NTM, de IAM, une musique qu'on écoutait très peu et qu'on donnait très morte au bout de 3 ans. On a lutté pendant des années et des années. On a dansé dans la rue, on a tagué, on a dormi dans la gare à New York ou à Londres et on s'est construit ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours eu ce côté révolutionnaire parce que je viens de là et j'ai grandi comme ça et j'ai toujours été bercé et par de la passion. Donc c'est pour ça que je parle avec de la passion, de la sincérité. J'ai pas de notes, j'ai rien et tout ce que je dis pour moi me paraît très clair parce qu'elles sont essentielles et pertinente. Non, mais vous nous avez fait passer un moment très intéressant et je vais laisser Frédéric conclure, mais c'est
pour moi, c'est un, moi je suis allé assez tardivement dans les festivals. J'y suis allé par mes enfants, en fait. Hein. Et donc, c'est vrai que l'intérêt des festivals, c'est leur variété. C'est la variété, y compris de leur taille. Donc, je crois effectivement que l'opposition gros festival, petit festival, ça pose des problèmes pour les artistes, probablement, pour de disponibilité, etc. Mais la scène française est quand même, c'est vachement vivant, quoi. Et au fond, pourquoi tous ces festivals, si ce n'est prospères, du moins prolifèrent, c'est parce qu'on a redécouvert la musique live. C'est parce que c'est des grands moments. Le digital, c'est formidable parce que ça rend accessible toute musique, mais le vivre avec des copains, le vivre avec des amis en live, avec les imperfections, y compris ou les perfections culinaires qui quand même sont pas si extraordinaires que ça, c'est quand même des beaux moments de joie de vivre. Et soyez remerciés en tout cas de ce que vous nous offrez. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je remercie ceux qui nous ont suivis sur l'internaute. Merci à tous et bonne soirée.